Le rapport du conseiller juridique spécial américain Robert Mueller sur l'ingérence de la Russie lors du vote présidentiel de 2016 est enfin sorti. Le ministère de la Justice a publié une version expurgée jeudi. Mueller déclare qu'il est incapable de déclarer le président Donald Trump non coupable d'entrave à la justice sur la base des preuves. Il dit que le Congrès a toujours la capacité de le faire. Le procureur général William Barr a clarifié certaines sections du rapport de 400 pages afin de protéger les enquêtes en cours et pour d'autres raisons. Avant la publication, Barr a défendu Trump, affirmant qu'il n'était pas d'accord avec certaines théories juridiques de Mueller sur l'obstruction à la justice. Et pendant ce temps, Trump a célébré en disant qu'il passait une bonne journée. Il a même tweeté Game over.